devenir un héros, ce n'est pas difficile. Ah, très très bien, il décale. J'ai eu peur qu'elle me cache la ligne de vue. Ça aurait été assez bête. Et là, le Sacri qui va m'attirer. C'est plutôt une bonne nouvelle pour trouver sa zone furie. Ah, ya ya ya. Va, 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 j'ai envie de dire. Il tape plutôt fort parce que vous voyez ici, bah, j'ai plus que 1742 points de vie déjà. Mais là, on va se faire plaisir tout simplement. Va y avoir du dopo. Alors, la roulette, 50 retrait PA. Est-ce que cet EK s'est fait une dérobade? Non, excusez-moi. S'est fait une dérobade. Non, il ne s'est pas fait de dérobade. Donc on va faire du dopo, 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 dopo. À moins 700, hein. Du dopo, 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 dopo. À moins 725. Et du dopo, 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 dopo. À moins 658. Et petite chance des cas, non, pas de petite chance des cas, bah rien du tout, rien du tout, on va finir son tour avec 2 PA, on s'en fiche, c'est pas grave, on va faire du dommage, ouh yeah, dopo. Alors là, maîtrise d'épée, dissolution sur le sacrieur, Azae et Art Attack qui se régène plutôt bien, on peut dire, et là un gros coup de dagaçante, et là Azae qui est en mode punition en espérant que les Niripsa pourra soigner Azae pour qu'il puisse faire sa punition. Alors moi je suis en 13 PA, donc là on va faire des dopo 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 sur El Chronos. En plus avec une roulette 50 coups critiques, des dopo à moins 400, moins 454, vraiment des petits dopo là sur ce coup là. On va ensuite faire une félation à moins 509. Et ensuite, eh bien, on va toujours aller l'enchaîner en dopou. Et avec la solution de pouvoir le tacler encore des dopou à moins 535. En espérant que Azae puisse tout simplement soit finir El Chronos, soit soigner Azae. Et je vais me déplacer en effet. Il a plutôt raison, celui qui m'a montré la zone. Dopou! Et du coup, ben. Le Sacri qui a plutôt intérêt de juste bien me le placer. Le petit mot de régénération plutôt bien. Il va TP l'Osamoda. Ça c'est une bonne nouvelle. Il va sûrement aller taper ensuite Paco X. Ce serait une bonne chose. En plus là il doit commencer à être bien boosté. Voilà il est feu. Donc il est pas terre. Il a juste mis le Quack pour des résiters contre le Yop. Je pensais qu'il aurait été terre. Ça semblait bizarre aussi un bois terre comme ça. J'ai pas réfléchi au moment où je l'ai dit. Donc il est feu, c'est une bonne chose. Il se régène un peu et Pacox qui s'est pris quelques dégâts. Et là je me prends un gros coup de baguette éternelle à moins 865. Des arnaques à moins 485. Des arnaques à moins 555. Et là je commence à prendre de gros dégâts au niveau de l'Eka Flip. Je suis pas encore mort. Je suis quand même encore assez loin de mourir vu que l'Eniripsa peut tout simplement et bien recon. Là par contre, il va y avoir d'énormes dopo. Et la roulette sans dommage de pousser. Oui. Dopo, 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 dopo. À moins 800. Dopo, 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 dopo. À moins 691. On va faire la petite libération. Dopo, 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 dopo. À moins 517. Et encore des dopo, 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 dopo. À moins 765. Et on a un hypnotisme à 1524. Point de vie à peine, et là ça fait vraiment des gros dégâts, et il me dit que je dead, et ben je ne suis tout simplement et bien pas sûr, parce que vas-y faire des points du crackler, ah ouais bah si je meurs malheureusement, bon bah j'ai fait des gros dopo. J'étais quand même content, j'ai fait des gros dopo, j'ai joué que pendant 3 tours, c'était magnifique. Dopo, voilà des gros dopo à moins 322. Encore des dopous à moins de 258, donc voilà, je pense que le choix il va aller sur Azae tout simplement, vu que là il brocle encore, il va encore faire des dopous. Printemps, elle va mettre la puissance sur Azae, et là, non, Printemps qui n'a tout simplement pas bougé, donc là ça va être, eh bien tout simplement, Epic Rock sur Printemps, du moins 542, du moins 534, Là sur Azae, et bien tout simplement pareil, du moins 510 et la libé à moins 340.
Et là, oui, il vaut mieux qu'il m'immue parce que sinon ça risque de faire plutôt mal. Et là, la petite Flamiche, histoire de troll. Et on a fait du Dopu, Dopu, Dopu! Glyph qui va se faire une vitalité à plus 475 et qui va sûrement essayer de venir me taper ou sûrement essayer de s'échapper. On va voir ce qu'elle va essayer de faire. Là, de toute façon, j'ai Ezia en mode Dopu. On verra bien ce qui va être possible de faire. Alors là, elle va faire un souffle pour essayer de me trouver. Elle va faire un bond sur le Feka. Une intimidation qui va pas faire de dommages. Elle va essayer de vraiment se cacher. Et moi, du coup, ben, soit je pars sur Krala, soit je pars sur Ezia. Et je crois que le choix, il est quand même assez vite fait. Je vais partir sur Ezia. On n'oublie pas la petite roulette. C'est assez dommage. Au cas où qu'on ait une roulette 2 PM. Non, on a une roulette 50 dommages. Donc, ce qui peut être quand même assez intéressant. Et là, ben, on va lui faire tout simplement deux destins. À moins 465. Et un autre destin à moins 450. Et on va aller la bloquer, histoire qu'elle ne puisse pas bouger, la petite Ezia. Et malheureusement, la rencontre de Krala avec son archétype qui va arriver. La Krala en plus qui prend plutôt cher dans les glyphes et avec le chaton. Le Doppel qui va aller venir taper Ezia avec du moins 308, du moins 334 et du moins 328. Ce Doppel avec un flip complètement de cheat. Et je vais crier cheat! Dopu! Printemps qui prépare les Dopu avec précipitation, qui va faire des Dopu à l'intimidation. Des Dopu à moins 312, donc des Dopu qui voilà, sont dans les environs du 300. Donc là, ça va être à mon tour de jouer. J'ai 5 PM. Donc, en plus 400 force, et ben allons-y, 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 nous en faire plaisir, j'ai envie de dire. Chance des cas. Et on y va. Et je me prends les dégâts, malheureusement. C'est bête. Je sais même pas si je vais faire du dopu. Si je vais faire du dopu. Et je me fais même pas soigner. C'est rageant quand même. Parce que là, je vais mourir, malheureusement.